Audrey Renard, je travaille au département des sciences du comportement. Je suis analyste comportementale dans cette unité et j'ai travaillé sur le dossier Jonathan Daval en tant qu'analyste comportemental. Alors, vulgairement, on va l'appeler un profiler. On est une unité de gendarmerie qui vient en aide aux unités de terrain. Donc on est saisi par un magistrat et on vient aider les enquêteurs avec notre savoir, notre expertise dans le domaine de la criminologie et de la psychocriminologie. La garde à vue a duré 48 heures et Jonathan Daval a avoué au dernier moment, à la dernière heure de son temps d'audition dans le cadre de la garde à vue. Ça a été assez compliqué. Jonathan Daval est resté sur ses positions pendant un certain temps. Il a fallu faire preuve à la fois de patience.